Et tout le monde connaît qu'il y a du monde qui met caisse, l'eau s'assise là pour déclarer anticonstitutionnel. Et c'est mon rentrée. Et beaucoup du monde parti d'accord avec moi. Mais moi, motivé, j'oublie l'eau des droits humains. Et les droits humains, c'est indivisible. Et donc, c'est la liberté des autres qui, ou d'accord ou pas d'accord, c'est une question qui ben, individu diffère et ben droits humains. Il n'y a pas un droit, nous, éclate ça, ben droits humains, là, pas ben la loi, et qui vraiment rétrograde. Et d'ailleurs, on connaît que la première fois qu'il est rentré, c'est en 1993. Après, en 1994, un autre case. Après, il y a un case joli devant la Cour suprême, qui est la Cour suprême. Et ne rejeter pas l'eau le fond, mais ne rejeter l'eau skeleton argument. Et nous continuons à militer dans différentes instances pour qu'il soit la loi-là anticonstitutionnelle. Bon, pensez-moi, le judiciaire a démontré beaucoup de courage. Bon, félicite ça des juges qui ont démontré beaucoup, beaucoup de courage, parce qu'ils ont beaucoup de courage d'un pays comme Maurice, moi-même, et ça la loi-là. Bon, content qu'il finalise ça, mais vous dire, mais qui ça, ça jugement-là, il n'a pas tombé dans l'insulte, n'a pas tombé dans ben, la bassesse, parce qu'il. Mais facile, tombe dans l'insulte, dans la bassesse et dit n'importe quoi. Surtout bon politicien, parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui ne pas comprendre grand-chose, qui, sauf l'expression, qui ne pas lire, qui ne pas informer, pas comprendre ce qui peut dérouler, qui n'a pas connu la différence entre la moralité et différentes l'immoralité, pas trop comprendre, pas comprendre que ça veut quelque chose qui fait dans quatre murs, quatre la chambre, et qui peut faire en public. Et il y a aussi, il y a du monde qui sincèrement croit dans certaines choses, et il y a même des autres du monde qui sont hypocrites.